Excuse-moi pour retard. Il y avait des embouteillages. Tiens, j'en ai pas eu pour rentrer. Oh, ça devient dingue. Je ne peux pas être coincée dans les embouteillages sans que tu me soupçonnes de Dieu sait quoi. Tu as reçu ça aujourd'hui. Merci. Vas-y, tu peux l'ouvrir. J'aimerais savoir ce que ton amant peut bien te dire. Qui te dit que cette lettre est de Jeff? On dirait une publicité. Puisque tu ne veux pas l'ouvrir, je vais le faire. Cher Sam, il ne t'a pas donné de petit surnom? Je parie que toi, tu lui en as donné un. Tu refuses de me parler au téléphone. Tu refuses de me voir. Alors je n'ai pas le choix puisque je ne veux plus faire de vagues dans ta vie, mais je tiens toujours beaucoup à toi. C'est fou, tu m'as trompé avec quelqu'un qui tient à toi. Tu aurais pu en trouver un qui t'aime follement. Oh, arrête, c'est nul. Non, tu vas rester ici et tu vas écouter la suite. Je n'ai encore jamais éprouvé ce que j'éprouve maintenant pour toi. J'ai la sensation que tu fais partie de moi, tu m'appartiens. Je t'aime follement et tu m'as dit que tu m'aimais aussi et que tu n'avais jamais ressenti un tel amour. Pour Billy, tu m'as dit que toi aussi tu étais folle de moi, mais comment as-tu pu me faire ça? J'étais fou de toi. Comment as-tu osé faire ça, hein? Comment as-tu osé? C'est nul ce que t'as fait!